C'est le long du canal d'Illérance, au niveau de l'écluse de Chevenier, que l'Armor est à quai. Donc elle a changé. Hein. Ah oui, oh là là, oui. Maintenant, c'est un bateau-logement. Ce n'est plus une péniche de travail. Elisabeth Hubert, la propriétaire, accueille cet après-midi-là trois générations de la même famille. Parmi eux, Odette Boulery, son père était marinier sur cette péniche. Elle est née à bord en 1941 et y a vécu jusqu'à l'âge de 6 ans. C'était il y a 71 ans, mais la mémoire reste vive. Ça, c'était des cales dans le fond. Oui. C'est là qu'ils transportaient et ben, tout ce qu'il y avait à transporter, le sable. On descendait l'escalier et il y avait juste un petit coin. De chaque côté, il y avait les lits et puis c'était tout petit. Hein, avec mes parents et mes deux frères et moi, dans cette pièce. C'est un tas de souvenirs qui remontent, des bons souvenirs. Ouais. Dur, dur. Et la suite de la visite continue d'émouvoir Odette, ébahie par un confort qu'elle n'a pas connu à l'époque. Ici, vous avez un cabinet de toilette avec une douche. Ah oui. Donc c'est une deuxième vie pour la péniche. C'est bien. Elle n'est pas toute jeune, la péniche. Hein. Elle est de 1912. Oui. Et l'histoire de cette péniche, Philippe Hubert s'y est beaucoup intéressé quand il a acheté avec sa femme en 2004 cette vieille coque abandonnée. Il a même un cadeau pour Odette. J'ai retrouvé les carnets. Ah d'accord. Je vous avais montré, là, ça a été écrit par votre papa. Monsieur Périgot. Eh oui. Robert. Oui. Né le 26 octobre 1913. C'est émouvant. Hein, c'est, ouais, écrit par le, ouais, bah, votre grand-père, du coup. Ouais. Qu'on n'a pas connu, mais malheureusement. Oui. Non. Il est mort jeune. Oh oui, il avait 37 ans. Robert Périgot n'a donc pas su ce qui était arrivé à l'Armor, du transport de fret jusqu'en 1996, avant d'être envahi par la végétation. Ah, donc vous l'avez acheté comme ça? Ouais. Oui, comme ça, on l'a acheté. D'accord. Oh là là, oui. Ah, vous étiez motivé, hein? Ah ouais, faut être motivé. Là, il y a de la passion, là. Hein, ouais. Parce que... De la passion et 5 ans de restauration pour l'éclusier passionné. Bravo. Bravo, ouais, bravo. Ouais, ouais, bravo. C'est émouvant, quoi. Puis, qui font partie de l'histoire de la péniche aussi. C'est tous ces gens-là. Tous ces gens qui sont nés sur la péniche, au moins 5. Et puis, quand ils viennent, ouais, ça me touche. C'est intéressant. Ouais. En plus, ils ont des choses à raconter. Et on apprend encore sur notre bateau. Donc, on est content, très content. Week-end. Ouais. À ses souvenirs. À ta naissance, maman. À ma naissance. Retour sur l'Armor au petit matin. Qui veut du café? Malgré le grand confort et le calme des lieux, la nuit n'aura pas été si paisible pour tous. Oh, dur, dur pour s'endormir. Il y a un tas de choses qui remontent. Hein, malgré que, bon... Jusqu'à 6 ans, on n'a pas beaucoup de souvenirs, mais ça, je m'en souviens quand même. Hein. Puis bon, les parents, toute la famille, quoi, c'est sûr, beaucoup de choses qui sont montées. J'ai réimaginé tout le monde ici, ma mère avec ses frères, ses parents, ma grand-mère que j'aimais beaucoup, donc ça fait drôle. J'ai pleuré avant de m'endormir. Mais c'est magique, quoi. Ça permet aussi de rapprocher les liens, de recréer des mémoires, que ce soit pour nous, pour Juliette. Entretenir la mémoire et rendre hommage notamment à ce grand-père Robert, par qui toute l'histoire familiale a commencé sur cette péniche. Même si on ne l'a pas connu, il est quand même là. Il est quand même là, parce que la preuve, il nous a peut-être que c'est lui qui nous a emmenés là. On ne sait pas. En tout cas, c'est sûr, toute la famille a désormais le souhait de revenir à bord.